Français en premier lieu, le président de la République est engagé. Le génocide n'est pas un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Ceux qui s'en rendent complices, ceux qui l'espèrent, ceux qui ne l'empêchent pas, peuvent être poursuivis pour complicité du crime contre l'humanité. Dès le début, le président de la République et la majorité présidentielle n'ont cessé d'encourager Israël à mener cette guerre criminelle. Ils n'ont cessé de dire qu'ils avaient le droit de la mener. Ils ont cessé de dire d'encourager au massacre. Nous avons honte pour la France. Aujourd'hui, on entend des paroles un tout petit peu différentes. On entend au niveau de la conférence humanitaire que j'ai dit dernier, il faut que... On entend au niveau de la conférence humanitaire que j'ai dit qu'il faut mettre les Français sur cette feuille. On aurait 1 milliard de personnes de 1 million, ce qui est bon, obligé de le faire. Thank you.
Yes, 4 000 CSO, more for four. 3 000 femmes. Non, plus de Non. Pas ça. C'est pas une fête, ça. C'est pas une fête. Accueilli par
10 millions pour eux, ils ont recruté beaucoup de jeunes.